t'aimais, la vie rêvait, un autre succéda. En chant suivi la trêve, des joyeux hosanna. Le ciel devint livide, le soleil s'obscurcit. Sur un monde perfide, naissant la sombre nuit. Quand pour le roi du roi, l'homme élève et une croix. Et bientôt, Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout le monde nouveau. Je vis la cité sainte et ses murs en cristal dans son immense enceinte. La mal n'avait aucune place, tout était pur, parfait, le bonheur et la grâce qui régnait à jamais. Aimez-vous, malgré tout.
de revivre ces moments. Accablé, je prie chaque jour pour que tu reviennes. De nouveau, je vais aller dans tes yeux. Ce regard si longtemps perdu, dont le sens est brouillé par mes pleurs. Cet amour, bien que nostalgique et souffrant, ça ne veut m'en de dire ce que je ressens. Radio Respiration FM. Et le collège aussi rappelle que la caisse populaire de Télam est son sponsor officiel. L'école du dimanche porte à la connaissance de tous les moniteurs, de toutes les monitrices et de tous les étudiants, de toutes les étudiantes et de chaque fidèle de l'église qui organise une journée d'évangélisation ce jeudi 19 juin à 7h30 à 2h de l'après-midi. Cette journée d'évangélisation commencera à 7h30 par une séance de prière à l'auditorium de l'église, suivie de la formation des équipes et la sortie à 9h. Ceci est de la directrice de l'école du dimanche. Le centre d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince et le groupe Bon Samarite saluent l'église entière et remercie tous les fidèles et les invite à continuer à participer à cette grande œuvre d'assistance pour aider les nécessités non seulement de l'Église, mais aussi des centres et d'asile. Salutations fraternelles en Jésus-Christ, les dirigeants de ces deux associations, de ces deux groupes. Si vous avez ce matin un problème de santé, nous profitons de cette occasion pour saluer les professionnels de l'Église et les professionnels de la santé. En particulier, si vous avez une urgence ce matin dans ce culte, c'est le docteur Marc Aderville qui assure l'urgence. Il est au 47 56 66 60 19. Laissez-moi vous donner cette annonce de décès.
Nous annonçons avec infiniment de peine la mort du frère Lucien Édouard, qui venait à Port-au-Prince le 28 juin 2014 à l'âge de 77 ans. Les funérailles du frère Lucien Édouard ont lié dans la première église baptiste de Port-au-Prince le jeudi 19 juin 2014. À 8h du matin, le cadavre sera exposé à ce père. Le défunt était membre de l'église et fréquentait la congrégation de Faubourg-Salon. Ce sont là mes frères et mes soeurs en Christ, les annonces provisoires de l'église. Et jusqu'au complété, nous demandons aux frères Maxime Antoine de bien vouloir rencontrer sur la cour de l'église M. Rony Gilles. Il est amplement le secrétariat de l'église et aussi la congrégation de Faubourg Salomon, la jeunesse, qui célèbre son 56e anniversaire à travers une conférence qui commence demain avec votre serviteur sur la jeunesse chrétienne face à la crise. L'écuménisme, et mercredi prochain, Maître Patrick Laurent, la jeunesse et la politique, et vendredi 20, Pasteur Henri Jean-Pierre, la jeunesse chrétienne, face au signe des Illuminatis. Et le 56e, à Faubourg, à la jeunesse de Faubourg, Salomon. Comme je vous dis, ce sont là les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce, il ne peut pas attendre, c'est que Jésus est là. Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Avant d'écouter la prédication du jour qui sera présentée par le pasteur Karine Célestin, je vous invite, frères et sœurs de la foi, à chanter les versets du cantique. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageur désolé, j'irai à l'aventure, chaque arbre du chauffeur était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil, il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il, pauvre, à ma place. Viens-tu si tard, c'est moi qui suis la grâce. Cantique inscrit au numéro 306 de notre recueil des chants d'espérance, ici en mai, française, sur les aides de la France 504, par le petit populaire 286. Et si vous avez le recueil de brise, mettez-le, c'est le numéro 60. Je vous invite à vous lever pour chanter avec Roman. Les quatre versets de ce cantique.